Ouah! Bonsoir, je suis Bob Lennon. Et bienvenue, bienvenue dans Curious Expedition. Oh, l'expédition curieuse, ou en québécois, l'expédition étrange. C'est bien compliqué cette affaire-là. C'est correct. Dans tous les cas, on est là pour un troisième épisode de l'amour avec bien sûr Picsou, Rance de Sengoku Rance si vous voulez, et Tintin parce que c'est ça qui est bon, vive les modes. On va y retourner, Expédition 5, fame, vachement beaucoup, pour l'instant on s'en sort plutôt bien, on continue dans l'aventure et on se plonge dans les terres inexplorées. Ouais c'est ça, un Untouched Dryland. Attends. En fait, quel est l'endroit qui a été découvert par rapport à l'objet que j'ai découvert? C'est peut-être le... Ouais. Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas. En même temps, c'était en jaune, mais ça ne l'est plus maintenant. Donc là, je suis traumatisé, en fait, par rapport au dernier épisode. Mais bon, on va y aller quand même, on a foi. On a la foi, on se dit que c'est bon. C'est parti, directement. Quoique, ici, c'est tentant, hein. Pour la dernière expédition, peut-être. Pour la dernière expédition et la plus grande violence. Dans tous les cas... On y va, on s'y plonge, et on y va avec amour, allons-y. On pourrait repartir dans l'Arctique, mais bof. Et on a raté la quête de l'idole. Hein, toutes les quêtes ont été échouées jusque-là, c'est pas très grave. L'air était frais, et l'odeur de la brise marine se reflétait sur mon bec. Et tout à coup, le marchand qui m'avait demandé l'idole s'approcha. Il était impatient de la voir. Tu l'auras pas. Et du coup, moins 50 fame, et m'envoie chier. Un militaire s'approchait de moi et m'a parlé d'un soldat déserteur qui avait trahi la reine et son pays et qui s'était planqué dans un autre pays. Je serais grassement récompensé si je le ramenais au pays. J'accepte. On doit trouver Conrad le déserteur. On a toutes nos chances. Alors du coup, qui est-ce qu'on récupère? Isobel Vaillant. Très bien, une cuisinière. Une cuisinière qui peut cuire la viande pour regagner de la santé mentale et qui est raciste. Très bien. Et lui, il est paranoïaque. Très bien. Et lui, il est juste perse. Très bien. Eh bien, écoute, moi, je suis très heureux, j'ai besoin de personne. J'ai besoin de personne, donc allons-y, on se barre. Par contre, j'ai un peu de pognon, donc est-ce que je peux améliorer Miss Lee pour 50 balles, on peut améliorer sa capacité de transport. C'est cool. Plus une capacité. Et pour combien je peux l'améliorer une deuxième fois? Une deuxième fois pour 100 balles. Ça me laisserait 150 dollars. C'est pas beaucoup, mais on a déjà pas mal de ressources, finalement. J'ai envie de dire. Ouais, donc on va faire ça. On va prendre deuxième amélioration du chameau. Et du coup, le chameau, il est bien pacté. Hein. On peut l'améliorer encore? Non, là, c'est trop fumé. Si jamais on perd le chameau, on perd tout, si tu veux. Donc du coup, voyons voir ce qui se vend. Alors, un fusil à pompe... fusil à pompe qui est pas mal du tout. Utilisable en combat qui coûte 140. Je vais être honnête, il faut quand même qu'on prenne de la bouffe. Vous savez qu'il faudrait qu'on prenne de la bouffe et du matos comme ça. On peut pas juste acheter un fusil à pompe et aller à la baston. C'est risqué. Et puis, surtout, soyons honnêtes, on a clairement pas besoin du pompe. On a pas besoin du fusil à pompe. Il nous faut du chocolat, merde! Parce qu'on a que 12 canettes, en fait, les mecs. Quoi qu'on a, random teleportation, waterfall creation et portal traversal. Ouais, non, il nous faut de la bouffe. Il nous faut de la bouffe. Tant pis pour le fusil à pompe, ce sera pour une prochaine fois. Je veux 2 matos, ou même 3 matos d'escalade. Je veux des katanas. Voilà, très bien. Je veux des katanas, plus ça, quoi en foutre. Des cordes. Comment va-t-on en cordes? On n'a pas de cordes? Oui, mais de toute façon, ça ne vaut rien, les cordes. Donc c'est bien, on va prendre plein de cordes. Des pelles. On aura une carte. Donc il me faut au moins une pelle. Des torches, il nous en faut plein, c'est gratuit. On a encore pas mal de pognon. Donc on a pas mal de dynamite. De quoi se choper. 6 barrettes de chocolat, quoique si on en lâche une, on a le droit à un sac de soins en plus, ce qui serait utile vu qu'on a l'intention de bastonner quand même pas mal, même si on a Syl avec nous, ce serait dommage de mourir, quoique on a largement de quoi, hein. Prenons du chocolat, ne doutons pas de nous. On lâche une torche et on prend une... Ah non, on prend une torche et on prend une pelle en plus, voilà. Et je testerai un truc, quand mon petit médaillon fera un bruit comme... J'essaierai de voir si je peux creuser là où je me trouve. C'est juste pour tester. J'ignore si ça sert vraiment à quelque chose. Je n'ai pas lu les commentaires vu que tout a été enregistré en une fois. Mais écoute, on sait jamais, on verra bien. Allons-y, deal. Et on y va. Excellent. Oh là 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 là, c'est beau.
C'est beau, c'est beau, c'est beau. On aura besoin de flotte cependant. Alors, stockage du bateau. Je veux stocker mes Grolls. Ah oui, close, une seconde. Voyons voir. Où est-ce que je veux explorer? Je veux explorer le plus loin possible. Ah, clairement. Voilà, clairement. Voilà. Bon, tant pis, ça n'a rien révélé d'intéressant. Mais on y explorera là dès le début avec un petit coup de dynamite, histoire de se mettre bien. Du coup, ship storage, je veux stocker cette merde. Et du coup, j'ai pas de place, j'ai plus de place là d'inventaire ou... Non, c'est bon, j'ai toute la place du monde. Ok, très bien. Très bien, très bien. On va prendre de la flotte. On aura acquis conscience et on est trop lourd. Très bien, pas de flotte. Je peux pas monter le chameau. Si je monte le chameau, on a deux items en trop. Très bien. Bon, je démonte le chameau. Ouais, voilà. Random téléportation, waterfall creation, world creation, portal traversal. Putain, on en a du matos. Hein. On en a du matos. Et cette pierre pourrait être utile, mais ça pourrait être utile pour ouvrir la... ouvrir genre la pyramide du lieu. Écoute, je choisis de tout garder. Et puis on espère. Hein. On espère, on espère. Deux montagnes, une colline, deux collines même et une forêt. Bon, aucune idée de par où ça peut réellement être, mais on va partir là. Très bien. On va bomber ça. Voilà, très bien. Histoire d'y voir un peu plus clair. Allez. Voilà, pas mal ça. Bon, ça nous met mal auprès des natifs, hein, mais après tout, nique leur mère. Hein. Voilà. On s'en contrefout un peu. Un temple, dès le début. Bonne nouvelle, ça. Excellent. Il y avait des têtes, en plus. Très bien. Donc, ça va être juste les villageois qui vont être vénères qu'on fasse ça. C'est cool. C'est cool, c'est cool, c'est cool. On prend tout. On prend tout, on prend tout. Et on perd masse de standing. Voilà, la malédiction est totale. Moi, je vis bien. On va lâcher la flotte. Qu'est-ce qu'on peut lâcher de plus? Eh ben, on peut manger le chocolat dès le début. Oui, écoute. Quoi qu'on a les bongos. Écoute, on va manger le chocolat dès le début pour se faire de la place. Et on partira avec les bongos. Allez. Voilà, très bien. Du coup, on a la place. Du coup, on a même la place pour revenir, revenir à la baraque. Tu vois, parce qu'on est bien. On revient au bateau. Bah, on se fait de la place, hein. On lâche tout. Y a pas de raison. Pas de raison, pas de raison. Ship storage. Plouf, plouf, plouf. Voilà. Comme ça, pas mal de richesses. Vu qu'on a déjà pas mal de trade value à donner aux villageois du lieu. Donc perso, on s'en fout. On y retourne. 15 de santé mentale, le bongo. Hein. Ça fait 30 tous les 10 jours. C'est pas mal. Hein. C'est vraiment, vraiment pas mal du tout. Hein. Et en plus, là, on a une portée de vision d'expédition qui est assez folle. Même si là, on claque un climbing gear. Mais écoute... C'est à ça que ça sert aussi. En plus, il y a une panthère à la con. Si tu veux, on a tout gagné. On a tout gagné, mais on n'y voit pas clair. On n'y voit pas très clair. Hein. Il faudra réussir à trouver un passage là. Hein. Ça va être compliqué sinon. Hein. Ah, j'aurais pas dû le faire maintenant, vu que de toute façon, les butées vont m'apporter énormément de santé mentale. Allons-y. Allons-y, allons-y, allons-y. Grosse griffe de la part de Tintin. 4 de dommages. Paf, c'est pas rien. Hein. C'est pas rien du tout. Coup de boule de la part de Hans. Blé. Double coup de boule. Triple coup de boule. Et lui, il est paralysé, donc il est mort. 4 et saignements, il est mort. Allez, hop, on n'en parle plus, des bisous. Pas de fusil, de l'intelligence et de la magie. Un fusil, et c'est tout, tant pis. Tiens, malédiction d'empoisonnement. Mange tes morts, surtout. Voilà. Et même je t'aboie dessus. Voilà, très bien. Il peut rien faire, il est baisé. On est invincible, mon gars. Ce fusil, meilleur achat que j'ai jamais fait. Hein. D'où Jésus. On prend tout. On prend tout et on a encore bien. Et on a encore bien. Est-ce qu'on voit la map? Deux montagnes et une forêt. Voyons voir. Forêt, deux montagnes. Deux montagnes, une forêt. Non. Non, non, non. Je ne le vois pas. Je sais pas vous, mais moi je le vois pas. On va pas monter, on va garder le climbing gear. Voilà, je me doutais que ce serait utile ici. Et mon collier vibre pas, il y a quand même cette espèce de bruit de... Donc malheureusement, ce n'était pas ça. Tant pis. C'était... Ça valait la peine d'essayer de voir en fait. Hein. Voyons voir, examinons la tombe. Entrons dans le tombeau.
nous pénétrions dans la tombe ténébreuse. Elle semblait être assez vieille et elle avait l'air d'avoir été non touchée pendant... d'être restée intouchée pendant pas mal de temps. Au centre de la pièce se trouvait un sarcophage. Riri semblait complètement traumatisé à l'idée de déranger les morts et les esprits ici. Et il nous a prévenu, il ne voulait pas déranger les dieux. On ouvre le sarcophage! Et dedans, il y avait une momie parfaitement préservée. Tout d'un coup, elle commença à grogner et à ramper vers nous. Syl commença à hurler et s'est presque évanoui. D'accord. Mais il y a une momie vers nous. Ah, et elle a 20 de points de vie quand même. C'est pas mal. Petit pas, c'est pas beaucoup ça, Tintin. Faut faire mieux, là. Bon, on va le faire saigner déjà. Voilà. Pas mal ça, c'est pas mal. Je suis sûr que tu peux faire mieux là, Tintin. Enfin, je suis sûr que tu peux faire mieux là. Attends, il y a une épée à deux. Oh, deux autres. On n'a pas de fusil si tu veux. Aïe. Le fusil, il est là, Dieu merci. Et la grosse griffe en plus, génial. Tintin. Bam, allez, boum, bouffe ça. Et en plus, il saigne, donc on a même plus la cheveux, vas-y, cheveux bleus. Allez, voilà, c'est réglé. Merci, Tintin. Tintin et ses grosses paluches. Si tu veux. Tintin les patounes, comme on l'appelle. Excellent. Là, il y a un volcan au sud. Mais ça n'a pas l'air de passer. Hein. Pourtant, il faut explorer par là. Merde. Et on n'y voit rien. Hein. On a rien trouvé pour l'instant. Le trauma est total. Et ça commence à cramer. Il y a un volcan ici. Et un tigre. Un tigre et un truc. Putain, mais c'est peut-être par là qu'il va falloir passer. Hein. Bon, un tigre et un truc, allons-y. Allez, tigrou. Tu veux qu'on se la donne? Deux tigrous. Deux tigrous qui veulent saucer. Bah très bien, allons-y. On commence. Bam! Un tigrou. Qu'est-ce qui se passe? Avec une petite patoune. La patoune de l'irrespect. Bon, on va essayer de voir si on peut pas choper plus. La magie, ça c'est intéressant. Les cerveaux aussi. Il paraîtrait de mettre des coups de tête, il a combien? Deux trucs, ok, très bien. Vas-y, roule tout, ma biche. Ok, ça c'est bon, roule tout. Ça c'est bon, et ça c'est sympa, il n'y a rien d'autre. Ok, très bien, on va se démerder avec ça. Allez. Alors déjà, on va commencer à mettre des coups de tête. Voilà, on enchaîne. Double coup de tête, ce qui fait que tous ses dés sont paralysés, il ne peut rien nous faire. Donc il est baisé, communément appelé. Hein. Petite griffe. De la part de Tintin. Bleh. Petite attaque précise sur ce tigrou. Bleh. Voilà. Petite magie, parce qu'il n'y a pas de raison. Petit wa-wa-wa. Je suis sûr que j'aurais pu optimiser, mais honnêtement. Honnêtement, voilà. Hein, c'est... Bleh. Voilà. Je vois même pas pourquoi on se fatigue. On gagne somme toute un temps fou. Et on récupère plein de merde. On est bien, bien encombré avec toutes ces conneries. Lâchons la viande. Voilà, très bien. Alors, un feu s'est déclaré ici. Aïe. Ce qui, comme qui dirait, est un danger, les enfants. Hein. Et même un danger grave et lourd. On va avancer jusque-là. Et on tombe sur un deuxième sarcophage. Eh bien. Et ensuite, il va falloir pousser par là. Hein. Bon. Eh ben, allons-y. On rentre à l'intérieur. Riri est complètement fou à l'idée d'ouvrir le sarcophage. On l'ouvre. Voilà, très bien. Ah, et Rand, ça a été maudit. Très bien. Riri a exprimé ses inquiétudes. Il n'était pas sûr. Combien de temps cela prendrait avant qu'il n'accepte ma décision. Excellent, mais il y a plein de merdiers. On comprend tout. Très bien. Cependant, l'un de nos personnages a reçu un truc qui s'appelle Curse. Alors, je sais pas ce que ça fait, mais apparemment, c'est très grave. Donc, écoute, on va improviser, hein, et puis on fera avec. Qu'est-ce que je peux lâcher? Parce que les momies, ça vaut de la fame, ça, si tu veux. Les dents. On va lâcher les quatre dents. Encore deux items en trop, putain. Oh là 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 là. Ça vaut 20... Ça vaut 20, c'est la même chose, c'est juste que ça se stack pas.
ça me casse les couilles. J'ai 20 dents, c'est beaucoup de dents. Ces plumes valent très cher, mais j'ai pas trouvé de village à qui les échanger, quoi. Ils font chier, ces natifs. Ils cassent les couilles un peu, ces natifs. Ouais, grande question. On pourrait... lâcher soit les torches, soit les cordes. Mais je vais lâcher les cordes. Je peux pas me téléporter au bateau parce que je n'ai pas le parchemin pour me téléporter au bateau. Malheureusement. Je l'aurais bien voulu, ça aurait été une très bonne idée. Mais sur les, tous les parchemins que j'ai, que j'essaie de ranger si tu veux, c'est compliqué. Voilà, sur tous les parchemins que j'ai traversé un portail, création d'une, d'une cascade, téléportation aléatoire et world creation. Je sais même pas ce que ça fait, tu sais quoi. On utilisera ça la prochaine fois. Mais lâcher les pelles, ah ça fait chier, il y a un trésor, mais clairement on n'a pas les, on n'a pas l'endroit sous les yeux. Une montagne et un truc, ce serait pas là. C'est pas là. C'est clairement pas là. Ça pourrait peut-être être là, mais l'improbabilité que ce soit là est quand même assez élevée, si tu veux. Ouais, non, parce qu'il y a une petite forêt autour. Alors là. Alors là. Je ne sais pas. La décision est lourde et la décision est dure. Je vais lâcher les torses parce que j'ai plein de yeux, j'ai plein d'œils. Donc on ne peut qu'espérer que ça se passe bien, si vous voulez. Ok, là on voit pas mal. Est-ce qu'il y a genre une... Non, il n'y a pas comme sur la map. Hein. C'est-à-dire une colline séparée par une montagne. C'est ici, mais c'est clairement pas là, si tu veux. Non, c'est pas là, ouais. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Et là, il y a un raptor. Alors c'est bien qu'il y ait un raptor. On va attirer son attention à ce raptor à la con. Voilà. On va l'attaquer avant qu'il ne nous attaque en priorité. Deux raptors. Donc on se panique pas, on a la grosse griffe de Tintin. Bref, déjà il est mid-life, donc il a 12 points de vie. Donc autant dire que ça va pas traîner parce qu'il saigne, il est mort. Aidin. Allez, ensuite. Qui d'autre? Qui d'autre veut? Hein? Qui d'autre cherche? Lui, j'ai l'impression qu'il cherche un peu. Donc bah, coup de boule. Bah, coup de boule. Allez, des bisous. Voilà, c'est réglé. Hop. Du merdier, je prends tout. Les dents, ça pèse pas lourd, donc j'ai même pas besoin de les jeter. J'étais très con d'avoir jeté les dents. La peau de raptor, ça vaut cher. Ça vaut plus cher que les peaux de tigre. Ça vaut plus cher que les peaux de tigre, en termes de valeur. Et ça, ça en vaut plein, et ça, ça vaut plein. Donc tant pis pour les peaux de tigre. Bleh, voilà. Ça, c'est bon. Voilà, on attaque le gorille. Deux gorilles, 18 points de vie. Il commence à piquer un peu les gorilles, hein, quand même. Mais c'est pas grave, on a ce qu'il faut avec le magique, le coup de tête magique. Bleh! On peut faire une meilleure griffe. Bah! Ça, c'est pour lui en mettre plein la bouche. Un œil, on le garde, ça, on le garde. Ça, on en garde un si tu veux. On roule tout. Ça, je le prends parce que c'est cool. Il faudrait aussi un autre coup de tête. Si somme toute serait avantageux. C'est bon, on a l'autre coup de tête. On a la grosse griffe, c'est cool ça. C'est cool, on a tout gagné. Grosse griffe. Bleh. Voilà, ça y est, mort. Gros coup de tête. Double stun, du coup il joue plus. Il n'a pas le droit de jouer. Double œil ponctuation. Petit sortilège, et c'est bon. Pas mal quand même hein. On leur en met tellement plein la gueule, c'est fou hein. Allez, voilà, très bien, des bisous. Des pattes de gorille et du merdier. 4 x 20, 80, et là j'ai deux plumes à 60, donc il va falloir que je les jette. Hein. Et il va falloir que je jette les plumes, hein. Ah, tant pis. Et les peaux de ça, ouais, mais je risque de les retrouver, donc tant pis pour les plumes. Hop, voilà, c'est jeté. Alors, une tombe, donc dedans on va encore trouver une momie si tu veux. Oh putain. Allez, on entre dans la tombe. Yui, il est traumatisé du cul. Une momie.
Elle se réveille, elle se rebelle, Momie se rebelle, blaf, allez hop, ça bouffe. Il est à 8 PV, donc ça déjà, ça lui a astiqué un peu le gosier. Bref, il est à 6 PV, donc ça, ça l'a saucé un peu. Y a pas mieux là, vous êtes sûr? Voilà. Donc il a combien? 6 PV. Allez, blaf, c'est réglé. Des bisous, merci, au revoir. Voilà, on récupère la momie. Ça commence à faire pas mal de gloire là, hein, mais on va lâcher les pelles. Tant pis pour le... Ouais, tant pis, je jette un dernier coup d'œil, mais... Ah, ça pourrait peut-être être là, hein. Attends, fais voir. Non, non, il y a une montagne par-dessus, ça peut pas être là. Ça peut pas être là. Tant pis pour les pelles, on lâche les pelles. On peut aller jusque-là, donc allons-y. On est à santé mentale maximale, hein. Vous savez pas à quel point j'ai un combo qui est infini dans ce jeu là. À quel point je suis invincible, quoi. C'est absurde. Donc là, on est bien. On est bien, on est bien. On peut aller même jusque-là. Ce qui, somme toute, est pas mal. En espérant que ça n'entre pas en éruption. Bon, on passe. Ça entre en éruption, bon, on passe, bâtard. Donc on craint rien. Putain, il y a des bestioles de partout, là. Putain, par contre, c'est la tristitude, hein. C'est vide. C'est vide, c'est vide, c'est vide. Putain. On peut passer. Ouais, on va sans doute les aggros. Mais c'est bien, c'est bien. On veut les aggros. Crabe géant vient de battre Bâtard. 25 PV, beaucoup de stats, hein. Donc lui, il rigole pas en fait. Il pique même beaucoup. Mais c'est pas grave, 25 PV, ça fait pas peur. Déjà, ça on commence, tu vois, histoire d'être poli. 4 dés, c'est beaucoup de dés quand même, hein. Mais on va essayer de lui mettre autant de coups de tête qu'on peut. Histoire d'être agressif. Ouais, ouais, on pourrait lui faire une ponctuation ou un coup de tête. On va garder ça. Oh, on va y croire. On va y croire. Oh, un coup de tête. Ah, voilà, très bien. Grosse griffe, vrai. Il lui reste combien? 4 PV. Grosse attaque, petite attaque et le crabe il est mort direct. Direct. Voilà. Il s'est fait chier dessus. De manière assez somme toute convenable, ça, ça vaut cher en fame, hein. 30 fame, 30 fame, Founes 40, 70 fame, 20 fame. Bon bah lâche les cordes, hein. Qu'est-ce que je te dise. Lâche les cordes, on n'a plus l'occasion de se pendre. C'est pour dire à quel point la misère est absolue et admise dans notre groupe. Alors où est-ce que dit le radar? Donc ça pourrait être n'importe où par là. Mais c'est pas mal, hein. Ça veut dire que là... Ça veut dire que c'est proche quand même, hein. Ça veut dire que c'est proche. Ça pourrait être par là, hein, là. Ouais, ça doit être ça même, hein. Ça c'est la Golden Pyramide, hein. Vous pouvez être sûr. Vous pouvez être sûr que c'est la pyramide en or. Oh, un trésor. Quel dommage qu'on n'ait pas de pelle. Ah. J'étais sur le point de m'endormir quand Riri est venu m'embêter délibérément. Il avait l'air dévasté et refusait de continuer à avancer si je n'étais pas, si je n'avais pas envie de lui donner un peu d'équipement en restitution aux terreurs nocturnes qu'il se paye. Ouais, bah ouais, prends des haricots. Voilà, ta gueule. Excellent. Je donnais les haricots à Riri et il ferma sa bouche. Excellent. Donc ça c'est des podiennes, mais ça va me donner juste plus de dents si tu veux. Bon, je pense que je sais pas ce que vous en pensez, mais je crois qu'on peut arrêter les frères. On peut arrêter les frères. On va. On va tuer tout ce qui existe et puis on va rentrer à la maison. Voilà. On va arrêter les frais. 4 yens. Oh, les belles. Dans ce cas-là, on va faire une petite explosion contrôlée. Regardez ça. Vrai. 4 de dommages et nous, on est planqués. Boum. Sauf que j'en ai une deuxième pour leur bouche. Si tu veux. Ah, que un par combat. D'accord. Ouais, un par tour de combat. Ok, bah très bien. Dans ce cas-là, Donc, combien de dés? Un seul dé. Dans ce cas-là, coup de boule. Vrai. Coup d'épée, vrai. Coup d'épée, vrai. Et puis griffe, vrai. Merci Tintin.
Ça, c'est un bon Tintin. Voilà, c'est réglé. On récupère tout le merdier. On attaque les éléphants. Alors, il y a un éléphant, il a 25 PV, il déconne 0. Fort heureusement, j'ai la technologie de mon côté, si tu veux. Il y a de quoi lui mettre double ponctuation, hein, ce qui lui ferait grave de dégâts. Mais il a 2 dés. Il va falloir plus de cerveau, en fait. Hein. Faites rouler des cerveaux, là. Ça, c'est bien, par contre. On va le garder. Et ça, magiquement parlant, c'est intéressant aussi. On va garder cela. En fait, on va remettre en jeu les dés qui sont garantis d'avoir une face, si vous voulez. Voilà. C'est comme ça, au moins, je serai peut-être satisfait. Allons-y. Parfait. Coup de tête. Attends. Cette tête est mieux parce qu'elle est garantie. Elle n'est pas garantie d'avoir une face, alors que celle-ci, si. Coup de tête. Merde, j'ai raté mon combo. Coup de tête. Voilà, j'ai fait Overwatch. J'ai fait surveillance, si vous voulez. Coup de tête. Coup de fusil. Plus drôle. Coup d'épée. Puis on le griffe. Voilà. Il peut rien faire parce que c'est un éléphant, il s'est pris 2 coups de tête, en fait. Mettez-vous à sa place, hein. C'est un éléphant de Neuilly, si tu veux. Il a été choqué. Voilà. Il a pas compris. Il a pas compris pourquoi autant de violence, en fait. Voilà. Du coup, là, il y a une hyène qui est aggroée pendant encore 17 jours. Eh ben, on va attendre. Hein. Cette petite bâtard. Allez, approche. Moi, je suis prêt à t'attendre, si tu veux. Ça, viens mourir dans les bras d'Hélène. Voilà. Moi, je vous démonte, si vous voulez. Je vous démonte du démon, moi. Alors, attends. On n'a pas un cerveau? Putain, il n'y a pas un cerveau. Hein. Ça, c'est la misère, comme on l'appelle dans le métier. Bon, après, blam, un qui meurt. Ça, c'est gratuit. Blaf, un autre qui est mort. Ça, c'est gratuit. On garde le fusil et on relance tout. Voilà, c'est bon. On a un cerveau. Donc, on a un bâton de dynamite, si tu veux. Tiens, va chercher. Le con. Fusil. On est bien. Eh, vas-y, Tintin, mange-le. Impeccable. Et il s'est fait démonter, on a tout pris. Bon, ben on est plutôt pas mal finalement. On pourrait même aller là en étant surencombré. Ce qui serait risqué parce que le feu est en train de tout cramer. Non, je propose qu'on explore et qu'on se casse. Je crois qu'on est bien. Et il nous faut 2 pierres pour entrer la pyramide. C'est gratuit. Et voilà, cette expédition. On s'est gavé sur les bonus. J'ai pas donné de level, peut-être que j'avais des level à donner, je l'ai pas fait, c'est pas grave. Dans tous les cas, victoire. C'est magnifique. Rance qui est caché par le chameau. Miss Lee, ce chameau incroyable. Alors voyons voir. Shuriken reçoit un dé critique. Hop, très bien, reçoit un dé critique. N'est plus en danger des moustiques. Oh, plus de dommages à chaque fois qu'on utilise un flingue. Ah, mais je suis intéressé par le dé critique. Je sais pas ce que ça fait, en fait, le dé critique. Mais en même temps, le dé critique, comme vous voyez, le fait de l'avoir, ça diminue les chances qu'on a d'attirer des animaux. Et c'est un dommage. Et c'est dommage parce qu'on a des capacités de combat assez folles. Donc on va prendre le flingue. Plus 2 de dommages, donc le fusil fait 14 de dégâts. Allez. Lara Croft, malgré ses tentatives de prostitution sur Beverly Hills, n'arrive même pas à atteindre notre niveau, notre power level, si tu veux. Alors attends, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Voilà. 14, c'est 20, ça? Bah, c'est la 20e, ok, bon, on la prend. La momie, je la donne. Le canard, je le vends. J'ai besoin de thunes. La momie, je la donne. Toutes ses dents, je vais les vendre parce que j'ai besoin d'un peu d'argent quand même, faut pas déconner. Ça, je le vends. Ça, je le vends. Les pattes de gorille, c'est cool. Ça, je le donne. Vous voulez ? Moi, ouais, je le garde. Non, je le donne. C'est bientôt la dernière expédition, donc il me faut quand même un peu de thunes, si tu veux. Bon, bah, ça, je les garde parce que ça peut se trade. Ça, je le vends. Et ça, boum! Le canard en or, voilà. Oh là 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 là. On est bien. The Rich Prehistoric Land. Demandit Corrupted Lands. Et Malicious Prehistoric Land. Donc j'ai le choix. Soit je vais dans les zones préhistoriques avec 3 villages de natifs.
une tombe à sarcophage et un temple, soit je vais dans les terres corrompues pour la guerre. Et j'avoue, les terres corrompues, je dis oui, on y va sans pitié. Ah, et malheureusement, Rance est mort, mon mercenaire est mort. Ah, c'est ça que fait Curse, je crois. Curse, ça fait que quand tu rentres d'une expédition et que si t'as un perso qui est maudit, il meurt en fait. Il meurt, il est maudit pour mourir. C'est pas grave. Rance-sama est mort du sida. Ce sont des choses qui arrivent, écoute. Hein. En même temps, depuis le temps, il cherchait. J'ai pas trouvé Conrad, le déserteur. En même temps, j'ai jamais trouvé de village, si tu veux. Voyons voir. Et quelqu'un veut me vendre une carte. J'en ai marre. J'ai tellement de maps, je sais plus quoi en foutre, mais je l'accepte. Elle vaut combien ? 20 balles. Allez, donne-moi ta carte. Voilà. Alors, très bien. Il pourrait y avoir Frédéric Scout, un soldat. Et à chaque fois qu'on se bat, on gagne de la santé mentale. Ah, intéressant. Il est comme Rance, mais moins bien, finalement. Bon, bah, c'est très bien. Ou alors ça... Mais on va manquer de dés de combat, n'est-ce pas ? Ouais, c'est les dés de combat qui vont manquer. Alors que... Mais si on cuit la viande... Ah, c'est difficile. Soit on a un soldat qui augmente notre santé mentale à chaque fois qu'il baston... Soit on a un cuistot qui, à chaque fois qu'on baston et qu'on a de la viande, on peut la convertir en bouffe. Rance donnait 60% des dés de combat. Bon, on va prendre le lieutenant Frédéric Scout. Il m'a l'air bien, ce British. Allez. Très bien. Il pourrait remplacer Riri si jamais la situation l'exige. 150 balles, on peut améliorer la capacité du chameau. C'est cher. J'ai quand même besoin de stuff. Notamment ça. Ça, c'est bien. J'ai pas besoin d'autant d'équipement de soins. Oh là là, un flingue. Ce flingue, par contre... Est-ce qu'il serait réellement utile? Oui, parce qu'en plus, j'ai le bonus de dégâts, donc allons-y. Du climbing gear, même masse de climbing gear, pour une fois, on va s'offrir ça. Des coupes-coupes. Des cordes. Des pelles, parce qu'on va avoir plein de choses à déterrer. Et enfin, des torches qu'on osera jeter, si jamais le besoin s'en fait sentir. Ça non. Et ben du coup, c'est la dernière expédition, on n'a plus besoin de thunes. Donc on peut y aller et prendre la totalité de tout ceci, en fait, si tu veux. Ouais. Il reste 4 balles. Et ben on prend 2 chaussures. Voilà. Ça sert à rien, mais... Ça sert à rien, mais voilà. On pourrait aussi garder 150 balles pour upper le chameau. Mais je pense que sincèrement... Ouais, vous avez raison. Là, on a encore plein de dynamite, donc ça sert à rien. Ce flingue coûte cher, mais voilà. Tout ce matos de trekking, on pourrait aussi le réduire. Mais on a encore pas mal de choses pour atteindre 150 balles. Vous voyez, notamment l'alcool. Il faudrait lâcher l'alcool. Ça nous laisse 3 d'alcool. Ça me fait chier. Mais écoutez, 3 d'alcool, ce sera suffisant pour Riri. Et puis on a de quoi regagner de la santé mentale avec les bongos, avec les combats, avec tout ça. Donc moi j'ai foi. J'ai foi et j'ai espoir. En plus on a un flingue, on y va. Animal Improvement, on améliore Miss Lee. Voilà, très bien. Excellent. Qui a tout gagné. On est pas mal. Eh bien écoute, on peut partir à l'aventure. Courage, on est bien, on y croit. C'est parti. Expédition 6, dernière et ultime expédition. Est-ce qu'on aura une statue à l'effigie de Xupi, dans les terres de sang. Comme vous pouvez le voir, l'endroit est pas joyeux. Pas joyeux du tout. Alors ici, comme on est sur une terre de sang, normalement, il n'y a pas de village. Ou plutôt, les seuls villages qu'il y a sont des villages composés de monstres qui ne s'intéressent qu'à la viande. Donc tout ce qui a une valeur marchande échangiste est inintéressant au possible. On va lâcher les tongs. On va poser... bien sûr, dès le début, les boules. Et on va essayer de clarifier le décor. Ah, et on révèle un truc. Pas mal. Très bien. On retourne nos chips. Accept shift storage. On va lâcher les boules. Très bien. Merde, non. On va lâcher les peaux. On va lâcher les dents. Même si ça prend pas de place. Quoique les dents prennent pas de place, ça se trouve, ce serait utile. Hein. On sait jamais. Prenons ça. Qu'est-ce qui d'autre a de la valeur marchande et qui aurait été utile? Rien d'autre, on y croit, on se sent fort, on est bien. Putain. Alors attends, on va ranger, on va y arriver, on va y arriver. On va y arriver.
arriver. Putain, quel enfer! Quel enfer absolument démoniaque! Ouais, écoute, ok, ça va faire l'affaire comme ça. On est bien, on est bien, on est bien. On prend de l'eau, parce qu'on sait jamais. On ne sait jamais, on ne sait jamais. On pourrait se retrouver face à des situations qui nécessiteraient de prendre de la flotte. Et dès le début, on peut climb à côté d'une montagne électrique et magnétique qui nous empêchera de voir le décor correctement. Alors, soit c'est en bord de mer avec deux montagnes et il y a l'air d'avoir de la neige ou du blanc. Ça fait pas de sens, très bien. Soit c'est un truc de montagne fermée. Bon, bah, on y va et on espère. Allons-y gaiement et souvenons-nous, il faut tuer des choses. Oh là 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 là! Grosse expédition, les enfants. Alors, ce serait intéressant de savoir ce que c'est, ça. Approchons-nous de ça d'abord, parce qu'en fait, comme on est près du bateau, si jamais c'est un truc qu'on peut piller, ça peut être intéressant. Voyons voir. Qu'est-ce que c'est? Loyauté qui baisse, d'accord. On est pénétré dans un vieux campement. Ah ah! Explorateur allemand. Très bien, bah récupérons le merdier. 6 canettes de beans. Ok, bah on a tout récupéré, c'était gratuit. C'était gratuit. La loyauté de Riri baisse. Flair, un petit coup d'alcool et la loyauté de Riri remonte, si tu veux. Recherche assistance, les butterflies, on s'en fout. On pourrait faire passer parce qu'on a 4 levels, on pourrait donner du level à 6. On pourrait faire péter en fait le level du soldat, ce qui serait la meilleure idée, je pense. Un level, deux levels, et puis voilà. Deux levels, ça lui donne un dé de combat et un dé d'assistance. C'est vrai que Tintin a toujours son dé de combat. Hein. Donc on a pour la première fois un dé d'assistance, ce qui pourrait être pas mal en fait. Mais il faudrait faire péter le level du soldat le plus tôt possible. On a toujours le chameau. Chameau qui est extensivement un des personnages les plus importants de notre expédition. Donc c'est surtout... Ah d'accord, c'est grand. Hein. Il y a de la... Ouh, qu'est-ce que c'est? Un portail magique. Eh ben allons-y! Un portail magique qui nous téléporterait dans un autre monde! C'est parti! Alors les gens demandent dans le chat, maintenant Grance est mort, Syl, elle se fait prendre par qui? Bah par Tintin, quelle question! Tintin, il la sauce si tu veux. Nous voici dans un monde mystique et magique dans lequel nous n'avons que 30 jours pour explorer, et après nous serons kickés en dehors de cette réalité alternative et étrange, ce biome exceptionnel. Et sur les 30 jours, ça nous prendrait 15 jours d'aller là, et ça sans doute un cercle de pierre. Donc ouais, malheureusement, on va pas pouvoir explorer grand chose. On va peut-être pas pouvoir explorer grand chose, mais on pourra affronter grand monde, et ça c'est la bonne nouvelle, allons-y. Attaquons les raptors, 6 raptors. Toute cette dissidence sera pas tolérée. Ah oui, plus 2 de dégâts à chaque flingue en plus. C'est ouf ça. Ça va être complètement dingue. Il y a combien? 12 points de vie. Faudrait un autre. Planet Shot, 10 de dégâts. Ah, je savais pas que je pouvais faire ça, tiens. Écoute, récupérons ça, gardons celui-là. Est-ce qu'on a moyen de mettre des coups de boule ou est-ce qu'on a moyen de les tuer intelligemment? Ou est-ce qu'on peut, dès le début, genre claquer un explosif, si tu veux? Voilà, c'est pas mal ça. Ça laisse les dégâts à 8, ce qui fait que du coup, c'est vachement plus gérable pour moi, en fait. Ça, c'est de la magie. On va prendre les flingues. On va prendre les yeux. On va rerouler tout le reste. Rien du tout. Et juste un gros œil pour faire un shot de la mort. Et ce pistolet, on ne peut l'associer avec rien du tout. D'accord. Bon, bah on va se démerder avec ça. On va se démerder avec ça, on va se démerder avec ça. Ça, c'est un œil. Et ça, c'est un tir planifié, écoute. Blah ! Déjà, un qui crève. Comme ça, au moins, c'est pas un problème qu'on aura à gérer. Ensuite, blah ! Moins 4, il lui reste 4 points de vie. Avec ça, ça lui fait 2 points de vie. Avec ça et ça, 3 points de vie... pas bien ça. C'est pas le plus opti. J'ai pas de balles, j'ai pas de dynamite. Je pourrais faire de la magie offensive et empoisonner l'adversaire, mais j'ai pas le moyen de le faire. Ouais, ça le tuerait pas. Et l'œil tout seul ferait rien. Écoute.
Écoute, préservons-nous du mal, empoisonnons-le, ça lui fera 2 PV en moins déjà. Un pour ce tour et un pour le tour prochain. Il me mord, il me mange, il me mange. C'est pas grave, on a largement de quoi se soigner de cet état de fait. Il lui reste 6 PV parce qu'en fait il en a 7 mais il va en perdre un. Blah, déjà ça c'est bon. Blah, le coup de tête c'est bon. La griffure c'est bon, voilà, j'ai fait ça au pif mais du coup voilà. Victoire, on récupère tout. Syl du coup est malheureusement très très blessé. Et Tintin aussi. On va quand même attendre que tout ceci s'infecte. Histoire de pas prendre de risque. Quoique, on a besoin de la magie. Est-ce qu'on a besoin de la magie de Syl? Est-ce qu'on a vraiment besoin de sa magie? Ouais, parce que là, il y a quand même pas mal de... Il y a des pygmées. Et là, il y a un tigre. Et ils sont vénères quand même. Écoute, on a plein de trucs de soins. On va soigner Syl et on est bon. On va avancer doucement. Voilà, on va attaquer les zombies pygmies. Très bien. 1, 2, 3, 4, ils ont 4 PV et il y a un chaman. La bonne nouvelle! La bonne nouvelle, brave gens, regarde. Un cerveau, une bombe, des bisous. Allez hop, ça c'est réglé, on est bien. Petit fusil. Bleh, ça c'est merci. Allez hop! On récupère tout. Alors, 3 items de trop. La viande, on jette ça. La lance, on jette ça. Le champignon, c'est un champignon de soin. Excellent! Excellent, excellent. Je peux donc utiliser ça pour Tintin. Et Tintin est devenu cannibale. En espérant qu'il ne mange pas Riri. Ce serait fâcheux. 7 jours de voyage. Ça nous laisserait 13 jours après ça. Un temple. Ah ah. Moyen de gagner du merdier. Celestial Symbol of the Sun, Moon and Star, Werecave. Ok. Des symboles célestes de la lune, du soleil et des étoiles étaient gravés sur le truc. Et bah allons-y. Oh, du merdier, on prend tout. Ah, alors que nous prenions ce pourquoi nous étions venus, j'ai remarqué qu'une espèce de vide absolu et noir commençait à se former en haut de l'arche. Comme une espèce de fissure dans la chair même de la réalité. Et ça commençait à s'étendre. Oula. Oula, oula. On est surchargé. Mangeons des feuilles de coco. D'accord, donc lui il est devenu superstitieux parce qu'on a fumé du mauvais shit. J'aurais pu jeter ça, hein. Je peux jeter ça. On a fumé du mauvais shit, donc voilà. Combien de jours il nous reste? 9 jours, pour atteindre ça il nous en faut combien? 7. Et ça... Un jour et là, 9 jours, pile. Si on se met là, si on fait ça, ça prendra 8 jours. J'espère juste que ça va révéler le truc à gauche. Non, ça le révèle pas, tant pis. Je préfère aller vers le cercle de pierre. Pourquoi, chers amis? Parce qu'en fait... Attends, une seconde. La loyauté qui a baissé, on va lui faire boire. Voilà, très bien, comme il a bu et qu'il est alcoolique, il va mieux. On pourrait améliorer Syl, hein, avec 2 points. Mais j'aimerais bien améliorer le soldat, encore une fois, hein, ce serait cool. Du coup... Pourquoi ce cercle de pierre? Parce qu'on va être kické de cet univers dans un jour, chers amis. Or, l'expérience des objets que l'on découvre marche même si on les découvre comme ça, en fait, indépendamment. Comme vous pouvez voir, par contre, le temple est en train de se répandre dans les ténèbres et c'est quand même assez dangereux. On va faire ça. Ruins or settlements. Je vais... Les ruines. On espère qu'il y en a plein. Allez, on y croit. 1, 2, 3, 4, 5. L'XP, mon gars! L'XP, ça paye! Et du coup, on peut promouvoir le lieutenant-colonel qui gagne un vrai dé de combat. C'est cool. Je ferai de mon mieux, je l'espère. Je l'espère, je l'espère. Donc tout ceci était des villages, et tout ceci était des ruines. Il y avait autant de ruines que de villages, en fait. D'accord. Ah non, il y en avait une de plus, d'accord. Ça aussi. D'accord, très bien. Bon, dans tous les cas, il n'y a plus rien à faire. Patientons un jour. Ma vision commençait à se flouter. Je me frottais les yeux et quand je regardais, j'étais là où j'étais originellement parti depuis mon portail. Très bien. Bon, eh ben, on est retourné exactement là où on était, mais avec beaucoup plus de richesses. Et on n'est pas si loin du bateau. Hein. Donc je vais peut-être me permettre l'aller-retour finalement. Hein. Histoire de poser le merdier au navire, si tu veux. Oh, un village. J'ai pas mal de viande, on peut peut-être négocier, allons-y.
Ah, c'était évident que cette installation avait succombé à l'affection de l'abomination il y a longtemps. Il y avait des abominations horribles et mutantes qui vaquaient à leurs occupations dans le village. Les créatures étaient occupées à consumer une carcasse pourrissante de l'un d'entre eux. Nous pouvions enquêter sans crainte d'être attaqués. On peut recruter une abomination, on peut trouver un refuge, on peut chercher des ressources. Très bien. Des feuilles de coco, hein, une flûte. Ah, un objet natif et de la bœuf. Très bien. Bon, on prend la bœuf et l'objet des natifs. On va essayer de se réfugier là ? On va essayer de la recruter ? Non, on va se barrer. On va se barrer avant qu'il s'intéresse un peu trop près à nous. Alors, cette espèce de petit objet augmente la loyauté d'une personne lorsqu'il est offert. Qui n'est pas loyal ? C'était une journée merveilleuse. J'ai ordonné à l'équipe de s'arrêter momentanément pour présenter l'une de ces babioles à l'un des membres de mon expédition. Tiens, dans une cérémonie spontanée, je m'approchais de Riri et je lui ai offert la babiole. Après, nous avons fait un câlin entre oncle et entre petit-neveu et grand-oncle, et j'ai mis l'emphase sur l'importance de sa contribution à cette expédition. Il était très très ému et il m'a remercié trois fois avec trois voix différentes pour mes paroles aimables. Ah putain! C'est bon ça ? Oh la visual novel. On a le tambour. Tambour pour augmenter. Qu'est-ce que je peux lâcher ? Je peux lâcher la viande. Hein. Ouais, je vais lâcher la viande. On va retourner au bateau. Parce qu'on va pouvoir stocker les peaux, les dents et tout ce merdier. Hein. Voilà, tant qu'à faire. Allez hop. Tiens, y a pas de raison. Hein. Y a pas de raison qu'on ne se libère pas un peu d'espace. Même si ça pèse rien, ça libère mon inventaire, surtout que ça me sert à rien, quoi. Soyons honnêtes. Quoique, on pourrait les garder, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Ouais, ça, je les pose. Et ça, je le garde. Très bien. Retourne à l'expédition. Je bois un coup pour mon petit Riri. Et j'ai un parchemin de portail traversal. Allons-y. Si ça fait le même effet que le portail qu'on vient de vivre, on va se faire un putain de score sur cette expédition. Allons-y. Ah ah ! On explore le portail magique. Et on gagne un level qu'on peut donner à Syl. Très bien. Et elle gagne un deuxième dé magique, ce qui est intéressant. 6 jours. Combien de jours on a ? 22 jours. C'est peu. C'est peu. En même temps, c'est tout petit ici. Allons-y. J'aimerais bien tomber sur un village, ce serait cool. Une fontaine de soins. Une fontaine de soins. C'est intéressant, mais c'est pas ce que je recherche parce que personne n'est blessé. Ici, ça pourrait être sympa. On va jouer du bongo d'abord. Est-ce que je l'explore ? Une autre fontaine de soins. C'est cool, mais c'est clairement pas ce que je recherche. Une statue d'offrande. Bon bah, je prends tout. Combien de jours il nous reste ? 11 jours. Combien ça prend ? 11 jours. Et si on coupe ? 8 jours. Ah ah ! Six jours. Ah ! Pas mal. Ça coûte cher, mais... Vous voyez, parce qu'on coupe, en fait, par l'endroit qui nous prend le plus de santé mentale. Mais on va vite, au moins. Un village ! Excellent. Excellent. Ah, entrons. Nous sommes entrés dans un village de natifs étranges. Oh, une race d'hommes lézards. Nous n'étions pas les seuls visiteurs à ce village. Il y avait aussi un Beastmaster, un maître des bêtes. Oh. Alors déjà, on va essayer d'échanger et de se les mettre à la bonne. Parce qu'ils nous aiment pas, ils sont à moins deux. Donc on va leur donner... qu'est-ce qu'on peut leur donner ? Ils se foutent des feuilles de coco. Par contre, ils aiment bien les dents. Donc on va leur filer toutes les dents. Voilà, plus 8 de standing. Donc là, ils nous aimeraient beaucoup. On pourrait aussi choper ça, ce qui est très pratique. Un trinket pour garder Riri loyal, si tu veux. Une poupée vaudou. Des bijoux. Les bijoux, utiles ou pas ? Utiles ou pas, les bijoux ? Je sais pas.
Je sais pas, on gagnerait combien là? Combien de standing? La 5 de standing? Ouais, quand même. Quand même. Genre, là c'est pas mal, mais il faudrait leur donner quelque chose qui contrebalance. Genre des... Ah, c'est vrai qu'ils aiment bien les machettes, ces bâtards. Voilà, des machettes. 5 de standing, on passerait à 3. Frais! Voilà, très bien. Et ils m'aiment bien, du coup. Super. Le fait qu'ils m'aiment bien, ça veut peut-être dire qu'ils vont vous laisser recruter quelqu'un. Chialas le chaman, un chaman lézard. Zulzuni le guerrier. Un chamosaurus. Pas mal. Peut-être un chamosaurus. On va prendre un chamosaurus. Merci, je vais prendre un chamosaurus. Hein. Et le maître des bêtes, qu'est-ce qu'il m'offre? Une hyène, une gorille et un tigre blanc. Que vaut le tigre blanc? Parce qu'après tout, toutes ces dents ne me servent à rien. Hein. Donc tant qu'à faire, allons-y. Hein. Expérimentons. Hein. J'ai gagné un tigre blanc. Très bien. On va revenir au village. Est-ce qu'il me laisserait dormir dans le village? Même si du coup, on va se faire téléporter... Mais on va se faire téléporter, mais du coup, on va gagner de la santé mentale, donc c'est cool. La vie locale est supérieure, histoire de gagner un peu de standing. Voilà, ils sont contents. Super, on a gagné plein de santé. Et ça nous a coûté qu'une journée, on peut se refaire une santé ici. Ah, nous avons passé une soirée agréable avec les natifs, mais plus tard cette nuit, le lieutenant Frédéric Scout s'est approché de moi avec une requête. Il était tombé amoureux de l'un des natifs et a désiré exprimer son désir de quitter notre expédition pour rester avec... Avec son aimé. Bah t'apportes qu'un seul dé de baston finalement. Donc t'es pas non plus le plus utile. Hein. Tintin c'est clairement le MVP si tu veux. Et on a un tigre de combat, c'est vrai. Est-ce qu'on peut te remplacer avantageusement par un tigre de combat si tu veux? Parce que le tigre de combat il est vénère. Hein. Il est très très vénère. Hein. Écoute, c'est un Fury, et même c'est pas un Fury, hein, c'est un Scaly, parce que les Fury et les Scaly se font la guerre, apparemment, hein, chacun ses fétiches sexuels, comme vous voulez. Mais du coup, bon, écoute, il s'est découvert, je l'ai amélioré pour rien, mais c'est la dernière expédition, on va pas lui dire non. Allez, va, reste avec, on est fiers de toi, on t'aime, c'est beau, voilà. Je lui souhaitais bonne chance, et je le félicitais sur son amour trouvé. Sans doute ce machin. Super. Bon, est-ce qu'on peut se choper une hyène aussi? On sait pas ce que ça vaut si tu veux, mais... Y a des choses encore que vous avez à m'offrir? Genre des joubis ou... Pour toutes ces dents qui ne serviront jamais à rien? Ouais, c'est bon ça. C'est bon ça. J'aime ça. Allez, vendu. Allez, des bisous. Par contre, on a trop de membres d'équipe. Donc, il y a ce chameau qui a beaucoup de place sur lui. Le chien ne prend pas de place. L'esclave ne prend pas de place. Tintin, on peut virer Riri. On a un tigre. Ce tigre, il a l'air balèze. Hein. On ne peut pas le monter, mais clairement, il est utile dans le sens où il donne de la baston à l'infini. Riri. Ça sent mauvais pour Riri. Mais Riri me donne plein de dés de yeux, en fait. Et c'est important pour le flingue. C'est important. Si je le monte... Ah putain, mais j'ai des capacités de combat si je monte ce machin, en fait. Non, mais Riri... Riri, ça va pas être possible. Ah, j'ai juste le sabot. Juste le sabot avec le chameau. Non, mais Riri... Riri. Donc, souvenez-vous, Fifi est mort de froid. Loulou, je me souviens plus comment est mort Loulou. Je crois qu'on l'avait donné aux esclaves. On l'avait échangé avec un chameau, peut-être. Je ne sais plus. Mais Riri, je pense que... Riri, ça va être difficile pour Riri de retrouver la route de la maison, si tu veux. Si les Timtim s'opposaient de manière véhémente... Écoute, c'est inacceptable. Adieu, Riri. C'est mon neveu, j'en fais ce que je veux. Voilà. C'est mon neveu, j'en fais ce que je veux. Et avant que vous mettiez à gueuler, tiens, Syl, un gris-gris pour couvrir tes nichons. Voilà, impeccable. Super. Du coup, ils sont convaincus, moi aussi. Et combien de temps on a? Attends, arrête de parler pour voir. 5 jours.
Est-ce qu'en 5 jours, on rejoint ça? 7 jours, malheureusement, ça ne passe pas. Sauf si on coupe. 1, 2, 3, 4, 5. Et on est renvoyé dans les ténèbres d'où l'on vient. Adieu Riri. Riri abandonné dans une faille spatio-temporelle du futur, ça lui apprendra. Au passage, on n'a toujours pas quitté le bateau, on a des joyaux que l'on peut poser ici. Et puis on est pas mal. On est pas mal, on est pas mal. On va lâcher une poupée vaudou pour que voilà, Lara Croft meure dans sa chiasse, si tu veux. Et on va partir en expédition. On va aller jusque là, ce qui est assez loin, mais on est plutôt pas mal. Quand même, je suis sur un Triceratops. Hein. Bon, c'est un Chamosaurus, mais moi j'appelle ça un Triceratops. C'est quand même pas mal. Hein. Et on se fait attaquer par des abominations. Bouf, bouf, bouf. Écoute, on va les bouffer. Ouh, c'est... Ouh, j'aime. J'aime ça. Alors déjà, voilà. Oh, 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 oh. Oh. Alors déjà... Stomp, déjà. Grosse griffe. Déjà. Petite griffe. Grosse griffe. Petit flingue. On est pas mal. Hein. Je vais garder ce cerveau. Je vais garder ses yeux. Et puis on va rouler. Flingue, petit coup de boule, petit poignardage, voilà. On n'a même pas utilisé d'explosif, si tu veux. Donc ça prouve à quel point on est solide. On est solide en tant qu'équipe. Voyageons. Une overpass, un endroit où on peut se reposer en toute sécurité, somme toute. Ce qui serait pas mal... Ça nous permet de regagner de la santé mentale sans se soucier du reste. On va faire du bongo d'abord, et puis on l'explore. Allons-y. On se repose ici, et en plus l'endroit est tellement joli, je fais une carte des étoiles, ce qui me donne plus 10 de fame. Allez. En plus, comme j'ai le bonus de Ksoupi, je gagne le bonus de je dors sous les étoiles, ce qui est fumé. Allez, je suis full life. Zombie Pygmy. Très bien. Je les attaque. Alors, il y a des zombies pygmies, ils sont vénères, si tu veux. Ils sont vénères, mais ça ne change rien au fait qu'ils vont se faire positivement exterminer. Eux et toute leur famille. Il y a un cerveau? Non, bah, on n'en a pas besoin, tu me diras. Hein. Allez, hop. Bleh. Lara Croft, for the win. Bleh. Tintin, for the win. Bleh. Bleh. Voilà, très bien. Ils sont fait mutiler. Ah, des champignons. Des champignons de soins, intéressant. Je peux lâcher cette viande et la lance. La lance, c'est super puissant en combat, apparemment. Hein. Tu peux t'en servir et tout. Ils ont repris. Oui, ils s'en sont remis. Eh ben, mourrez dans votre chiasse encore pendant 2 semaines. Voilà, petit coup de poupée vaudou. Histoire de les laisser frais, tu vois. Eh ben, c'est parti. Allez. Oh la vache. Plus longue expédition de ma vie. Dès le début, on commence avec un pigeon, si tu veux. Ouais, bah ouais, allons-y. Voilà, très bien, on va le bouffer. 2 pigeons, ils sont vénères. Ils sont très vénères, ces pigeons. Donc faisons très attention. Alors, grosse griffe déjà. Ça, c'est gratuit. Moyenne griffe, on va pas se plaindre. C'est déjà le must qu'on puisse avoir. Des yeux, on va les garder. Oh putain, le bec. Le bec se fait combien? 7 de dégâts. Bleh. C'est réglé. On va garder le fusil. On va garder les yeux. Et on va laisser la magie du ciel nous donner. Oh, c'est fantastique. La magie du ciel qui offre. Bleh. Le pistolet. Bleh. Et enfin, coup de tête. Bleh. Voilà.
Excellent. 4 plumes, 10 de viande. Lâche la viande. Lâche la viande. Lâchons la viande. Ça ne sert à rien. Par contre, c'est quoi ça? Ennemi, attention, et cannibale. Il faudrait se débarrasser de cet état de fait. Ça, c'est sans doute un cercle de pierre, ce qui est bien, ce qui nous révélerait la totalité du lieu. Même si du coup, on a 19 jours, ça prendrait combien d'aller jusque-là? 9 jours de voyage. Et si on coupe par là? 9 jours de voyage, la même chose. Dans ce cas-là, allons-y. Cercle de pierre qui permet de révéler les endroits, qui permet de gagner de l'XP. Stone Circle. Alors, il y a soit des ruines, soit des settlements. On va espérer de croire qu'il y a plus de ruines. Oh là là, cette XP délicieuse. Ah, putain. Donc, ça veut dire que les points d'interrogation qui restent sont des villages. Donc, ça, c'est un village. Malheureusement, il est beaucoup trop loin. Ça, c'est des multiples ruines. Combien de jours il nous reste? 10 jours. Aïe. Est-ce qu'on peut couper par la montagne comme un vieux sale? 1, 2, 3, 4, 5. Ok. 1, 2, 3. Ça peut passer, hein. Si on est très sale. Et ça, c'est un village. 16 jours, trop loin. 9 jours. Petit colonialisme. On reste frais. Voilà. On est bien. Les villageois m'aiment pas, et ben c'est leur problème. Moi, je vis bien, si tu veux. Alors, il faut escalader ici. Et la chaleur était déconcertante, ça veut dire qu'il va y avoir du feu. Très bien, moi je m'en fous, je le vis bien, j'ai une corde. Hop. Une fois là-dedans, on a des pierres, des masques et du merdier. Wouhou. On sert, c'est la liberté. Et un volcan sorti du sol. Ah, la bonne nouvelle, c'est que ça, c'est une terre enflammée. Enfin, c'est une terre qui a été réduite à l'état de cendre. Donc normalement, c'est une terre qui ne peut pas prendre feu. C'est la bonne nouvelle, si tu veux. C'est la bonne nouvelle. On est trop surchargé. Ah oui, on a oublié les cartes depuis le début. On s'en fout. Les bongos pour nous garder de bonne humeur. On va faire péter un level de plus à Tintin. Voilà, quel level max? Pourquoi? Parce qu'en fait, il est cannibale et si jamais il se décide de bouffer Syl, bon, bah au moins, on a un perso maxé. Les vrais strats. Tintin qui n'est pas entièrement loyal, est-ce qu'on claque le biniou, histoire de s'assurer une loyauté, ou on va lâcher cette... Voilà, on lâche la lance. Est-ce qu'on a le temps de faire le temple? 5 jours, combien de jours il reste? 5 jours, non, on a le temps d'aller jusqu'au temple, en 4 jours, en espérant qu'il prenne pas feu ici tout de suite. Non, c'est bon, oh ça prend feu, mais on est safe. On essaye. Du fungus, il y a des champignons qui poussent de partout, des tumeurs qui jaillissent du sol tel le vomi d'une plaie de pus purulent. Très bien. Donc on a un... Qu'est-ce que c'est? Un miroir d'obsidienne. C'est pas mal, ça. On prend ça. Allez, hop. Ils font la gueule, mais on s'en fout. On le vit bien. On a encore un pot magique, ce qui est cool. On va offrir ce bignou mystique à Tintin, voilà, histoire de gagner la loyauté du cannibale, si tu veux. Ce qui est, somme toute, la meilleure idée qu'on ait jamais eue. Et enfin, on peut manger toutes les feuilles de noix de coco, mais ça m'a l'air risqué. Bah écoute, allons-y. Il devient claustrophobe, très bien. Il devient terrifié des papillons. Il est sensible, le pauvre petit Tintin, quand même. Voilà. Et on est téléporté en dehors du monde. Ouh. Eh ben. Donc là, c'est bien parce que je vais pouvoir me... Ah, merde. D'accord, très bien. Ce n'est pas passé. Bon, bah, tapons-nous la route, alors, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est parti. Je veux me vexer. Ah, stop. On va faire un petit virage. Qu'est-ce que c'est? Un cimetière aux éléphants. Deux cornes d'éléphants, est-ce que ça vaut la peine? Oui, à la place des deux pelles. Hop, elle est vendue. Ah! Alors qu'on se préparait à partir, j'observe que Syl Plane n'est pas revenu. Tintin est revenu seul et ne sait pas ce qui s'est passé. Il affirme qu'il s'est perdu et qu'ils étaient perdus de vue l'un et l'autre. Cependant, il avait l'air relativement calme et revitalisé, mais il n'y avait rien que je ne puisse faire. Ah! Donc j'ai 3 items de trop. C'est
Ça fait quoi ça? Regarder dans le miroir me faisait saigner du nez. La méthode scientifique exigeait que j'utilise un autre volontaire. Eh ben... Rien du tout. Pour l'instant, rien du tout. Rien du tout, rien du tout. J'ai besoin de Tintin, si tu veux. Il a peur des papillons, il a peur des intérieurs. C'est pas grave. On va lâcher les champignons, c'est pas grave. Les plumes, ça vaut pas beaucoup de fame et on est à la fin du jeu, donc on va lâcher ça. Ça, on garde ça parce que ça vaut max de fame. Les cordes, est-ce qu'on a vraiment besoin des cordes? Bon. Et ça, c'est ma dernière dynamite. Mais ouais, bon. Je garde ma dernière dynamite. Je respecte religieusement les dynamites, si tu veux. Les cordes, on va lâcher les cordes. Hop, voilà, très bien. Allons-y. C'est pas possible! Bon, bah allons-y. C'est la plus grosse map de l'univers, quand même. Juste deux endroits intéressants et 23 jours. Ça prendrait 8 jours à visiter là. Et 17 jours à visiter là. Allons-y, gaiement. Après tout, c'est tout ce qu'il y a. Préparons-nous à annuler le voyage. Sitôt qu'on verra de quoi il s'agit. Ah. Oh, c'est bon ça. C'est un temple d'amélioration magique. On entre à l'intérieur. Eh ben, Tintin, la dernière fois t'as eu des griffes. Vas-y, bois, mon gars. Bois, 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 bois. Il a gagné une force surhumaine. Oh, il posa le calice et involontairement, il l'a presque réduit en poussière juste avec ses mains. Boire la potion a augmenté sa force à des niveaux démesurés et il n'était que plus que volontaire de porter quelques valises de plus. Cool. Eh ben super, voilà que ça augmente notre capacité de transport, si tu veux. C'est idéal. Pas grand chose à faire ici, cependant. On va s'explorer. On entre le temple. Encore un temple comme ça. Bon bah, Tintin, vas-y, hein. Sauce-toi, Tintin. Esprit pur. Tintin but instantanément sans se faire prier le liquide précieux qui se trouvait sur l'autel. Immédiatement, ses yeux s'allumèrent et il me regarda avec une expression apaisée. Il avait l'air relativement en paix et discret, comme si rien ne pouvait troubler son esprit à nouveau. Oh la vache! Et il a tout perdu! Cannibalisme, peur des araignées, tout... Oh le Tintin Dio! Il me faudrait un artwork de Tintin, tu sais, quand t'as Cars qui tient son pagne avec le soleil qui lui brille dans le dos, avec la musique. Oh point, point. Ah du coup, est-ce qu'on prend le risque de lui faire regarder dans le miroir, si tu veux? Alors d'abord, on utilise les bongos, hein, parce qu'on n'est pas con. Parce que là, c'est quand même assez fumé, quand même. Je veux pas dire, mais... Et si je dismount? Ouais, là, je te place de plus. Bon. Voyons voir. Et ça, c'est un tigre de combat. C'est très bien. Le miroir. Oh, laisse-le regarder dans le miroir de la pierre magique de Jojo's Bizarre Adventure. Allons-y. Tintin brisa... Tintin chopa le miroir de mes mains. Oh, quelle impolitesse. Son image miroir commença à s'incliner. Et lorsque je me réveilla, il y avait deux Tintins au-dessus de moi. Oh putain, deux Tintins, ils s'étaient dédoublés. La vache! Et ils se dédoublent avec toutes les stats! Pouille! Oh, le Tintin divin! Par contre, du coup, on a trop de gens. Qui est-ce que je vire? Je peux pas virer le tigre fait trop de DPS, si tu veux. Quoique le tigre peut être avantageusement remplacé par un Tintin, hein, je dirais. Un Tintin peut remplacer le tigre. Oh putain, double journalisme, mon gars. Le chien prend pas de place d'inventaire, donc ça sert à rien. Ça sert à rien de le virer. J'ai envie de virer cette espèce de diplodocus du cul. Quoiqu'attends, si je vire ça, je perds 7 plats emplacements de capacité. Si je vire ça, j'en perds que 6. Mais si je le monte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça devrait passer. Et il me donne un dé de combat. Mais si je monte lui, 4, 1, 2, et une verre, 1, 2, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ouais, non, 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 il faut que je reste sur le chameau et que je vire le dinosaure. Il vivra heureux ici. Dites-vous que ce dinosaure vivra très heureux. Voilà.
Adieu, Mrs. Moyle. Des bisous. Pour service rendu, vous êtes libre de vivre dans une ère. Vous ne serez pas chassé pour votre viande. Des bisous. Voilà. Et un raptor nous attaque. Qu'à cela ne tienne, à mon avis, il a mordu plus de Tintin qu'il saurait le gérer, si tu veux. Le degré de violence atteint est assez dingue. Voilà. On a quand même trop de places inventaires, d'accord. Ça veut dire qu'on est à capacité maximale presque. Hein. C'est assez fou quand même. Putain. Et du coup, il n'y a rien à faire ici. Combien de jours on doit rester là? 6 jours. Ah. Malheureusement, elle est trop loin. Bon bah tant pis. World Creation. On va le claquer là, on verra bien. Bon, mais ben on va camper. On va camper parce que là j'ai pas d'indice, si vous voulez. Ah ça refait la map autour de moi. Ah. D'accord, donc c'est à ça que ça sert la World Creation, ok. On me dit le gaspillage, ouais, bon, dire au point où on en est, c'est la dernière expédition, on s'en fout, hein. On sait à peu près où se trouve la pyramide. Ah non, c'est une montagne magnétique. Donc, la pyramide devrait être quelque part là-bas, en fait, tout en bas. Mais si on peut explorer par là, allons-y. Au pire, on butera cette abomination du mal, cette espèce de suppôt de Satan, une horreur. Très bien, c'est un... C'est de la merde. C'est de la merde et on va l'exécuter séant. Coup de flingue. Morsure, ça le fait saigner, c'est bien ça. C'est bien ça. Petite griffe, tu peux faire mieux. Milou, ça c'est bien, garde ça, ça c'est utile. Gardons ça. C'est pas ce que je voulais faire. Bon, c'est pas grave, je voulais garder les dés mais j'ai appuyé sur le bouton sans faire exprès. C'est pas grave, on a à peu près ce qu'il faut. Quasiment. Ça c'est bien. Quoique tu peux faire mieux, hein. Tu peux faire mieux, Tintin. Tu peux nous surprendre. Voilà. Très bien. Très bien, ça. Voilà, très bien. Sweep. Allez, c'est moi qui l'achève. Au katana, si tu veux. Picsou, il déconne pas, si tu veux. Picsou, il déconne zéro. On lâche les torches, on tombera jamais sur des cavernes, hein, décidément. Moi, j'ai foi. Et là, il y a une stone overpass. Un endroit où on pourrait se reposer. Avec les autres. Qui somme tout me paraît très bien. Shelter contre les éléments, et ben on se repose. Voilà. J'ordonnais à l'expédition de s'arrêter pour respirer un petit peu. L'humeur était bonne alors que je demandais qu'on récupère du bois pour le feu. Tous ces voyages nous apprenèrent à nous connaître l'un l'autre, nos habitudes et nos faiblesses. Nous avons discuté de nos enfances, ce qui m'a permis de comprendre d'avoir une plus grande appréciation de mon équipe. Tintin a révélé son ambition de suivre les pas de son frère. Putain, ce Tintin qui est un perso de Jojo, quoi. Ça veut tellement rien dire. Très bien, et on est full tout ce que tu veux. Donc du coup, on peut partir vers le sud. Sans doute dans cette direction. Allons-y. On va essayer d'esquiver les abominations parce que je n'aime pas les affronter. Ouais. Bon, par contre, on va attaquer ces ours. 18 points de vie, c'est beaucoup. Mais on ne les craint pas, nous ne craignons rien. 14 de dégâts dans sa gueule. Bam, déjà ça, c'est réglé. 4 de dégâts. Bah, un ours qui est réglé. Des bisous. Grosse griffe, 6 de dégâts. Bah, ça bouffe. Plus 8. Oh, on y serait presque, hein. Attaque précise, coup de sabot, et voilà, c'est réglé. Nos capacités de combat sont juste assez folles, j'ai envie de dire. Elles sont assez divines. Attaquer les abominations. J'ai presque envie, là, d'utiliser la dynamite, parce qu'ils sont 3 et ça fait 12 de valeur. 4 x 3, hein, tu vois. Et ça fait quand même beaucoup. Et c'est vrai qu'on a beaucoup d'attaques qui se font 4 par 4, si tu veux. Bon, celui-là fait 6, donc ça, c'est gratuit. Mais 6 de dommage.
Ça, c'est griffé. Voilà, je l'ai griffé. 4 de dégâts. Coup de sabot. Coup de sabot. Ça fait 2 de dégâts, le sabot. Bah, parfait. Coup de sabot. Attaque précise. Et enfin, qui l'achève ? C'est le tigre. C'est le tigre qui a tiré. Très bien. Et on récupère de la viande. Viande dont on se bat les couilles. Fantastique. Allons vers le sud. Ça va être dur de repérer sa route d'ici. Est-ce qu'on peut essayer là ? Ah. Réfléchissons. Là, il y a un objectif. Donc, il faudrait peut-être faire le tour. Ce serait le mieux. On va juste essayer d'arrêter de voyager avant qu'on rencontre cette araignée à la con. Et bien, on est juste à côté d'un temple. Comme quoi, on a tout gagné. Ce temple pourrait peut-être nous donner une pierre de lune, mais on en a déjà pas mal. J'imagine qu'il en faut une pour débloquer la pyramide. Donc on est bien en fait. Par contre, c'est cet empoisonnement qui me dérange. Et nous n'avons plus de dynamite. Vaut mieux attaquer ces araignées géantes avant qu'elles ne nous cassent les couilles. Ce serait trop risqué que de les laisser traîner. Donc là, on a 12 points de dégâts déjà. Combien elles ont de points de vie ? 10. Récupérons ça déjà, récupérons ça aussi. Récupérons-en un. Est-ce qu'on essaie d'avoir mieux sur chaque ? Je suis sûr que ça se fait. Ouais, c'est bien ça. Ça, c'est juteux ça aussi. Ça, on aime ça. Ça, c'est nul, mais on peut le relancer une dernière fois. On peut espérer, on ne peut qu'espérer. Ça, c'est cool. On n'a pas le fusil. On a petite griffe. Donc, on a tout ceci. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ceci ? Voyons voir. Alors, pistolet, on peut rien en faire d'autre que de mettre un dégât. Il y a 4 points de dégâts, il lui reste 6 points de vie. Donc une grosse griffe et il est réglé. Ouais, vas-y, le chien aboie. Le chien provoque. Lui, une grosse griffe, une moyenne griffe, il est mort. Super. Lui, on peut lui perforer le poumon. Quoi qu'on lui fait 3 de dégâts, 6 de dégâts. Et après, ça le tuerait pas, mais bon. Par contre, si on lui perfore le poumon, c'est 7 de dégâts. Donc c'est mieux. Là, il va se prendre 3 de dégâts, donc il lui reste 3 points de vie en vérité. Ben voilà, c'est létal. Allez. Little, merci des bisous. Super, et il m'a donné des spider legs et de la viande. Super, sauf que moi, je m'en fous. J'ai des spider legs, ça vaut un peu de fame. Examinons le temple, même si j'ai l'impression qu'on va pas y pénétrer. Il y aurait des tentacules de venin. Sauf que malheureusement, malheureusement non, on va s'en abstenir. Et ça, ça a l'air d'être un truc empoisonné. Et ça, c'est une forêt. Une forêt avec une petite montagne. On joue du bongo pour récupérer 32 santé mentale parce que c'est fumé. On a récupéré juste le meilleur perks du jeu. Ah putain. Ça doit être une caverne. Ça, une caverne aussi. Oh là là, le danger. Le danger. Est-ce qu'on a assez de yeux ? On a assez de yeux, hein. On a assez de yeux. Ça devrait passer, hein. On ne peut que l'espérer. Explorons la caverne. Allez, on explore dans le noir. Un œil, c'est bon, on a un œil. C'est bon. Ouf. Personne ne meurt. Tout va bien. Nous marchions dans les ténèbres jusqu'à atteindre une source de lumière. Et il y avait... C'était juste l'entrée d'un tunnel souterrain. Eh bien, explorons-le. On verra bien où est-ce qu'on arrive. 3 jours plus tard, on sortit du tunnel qui était juste à côté. C'est pas mal. C'est pas mal. J'aime bien là où ça nous lâche, parce que ça nous lâche de l'autre côté des pygmées. Et du coup, ça les empêche de venir nous casser les couilles. On est pas mal. Une autre caverne. On prend des risques. Ah, j'ai pas de yeux. Aïe. J'entendis soudainement dans les ténèbres quelqu'un glisser et un cri de douleur. C'est Tintin qui saignait. Il était blessé, mais il ne pouvait pas exprimer exactement ce qui s'était passé. Et ensuite, on arrive dans un autre trou où Tintin doit explorer, en fait. Mais il y a beaucoup de chances qu'il ne revienne pas. Prise de risque, c'est bon, on a un œil. Ouf. Tintin explora la fissure dans le mur. Après plusieurs heures, il sortit des ténèbres. Il avait trouvé des squelettes d'une expédition morte depuis longtemps. Un signe, peut-être qu'il y avait aussi du matos qu'il n'avait pas raté. Un autre miroir. Un monde de... Une page of world creation, waterfall creation. Je prends tout. Est-ce que...
Est-ce que on laisse Tintin regarder? Tadieu, kage bullshit no jutsu. Allez. そしては俺のスタンドだ。あどかどかどかどかどかどか。Ah putain, encore un Tintin. Oh cette aventure, on a remplacé Riri, Fifi et Loulou. Mes neveux, ils sont revenus. Et je crois qu'on va abandonner le tigre. Le tigre a une bonne potentialité d'attaque, mais honnêtement, je crois que le Tintin il fait le taf. Triple Tintin les mecs, ouais. Triple Tintin, je dis ouais. Je vais pas parler mal, mais triple Tintin, c'est pas mal quand même. Triple Tintin, on est bien. Du coup, il y en a un qui est blessé. Ah, il lui manque 6 points de vie. Et ben, on va manger 6 baies parce que chaque baie te rapporte 1 point de vie, regarde. Hop, il était à 9, il est à 10. Du coup, il a combien là? 14. Et voilà, plus de blessures, tout le monde est soigné. Tout le monde est soigné, tout le monde se sent bien. On va se mettre là. Là, on va se mettre bien. Et de toute façon, c'est la dernière expédition, donc on va claquer Waterfall Creation. Très bien, c'est assez trop loin en fait pour être réellement utile. Et surtout, Zawaldo Tokyo Tomae. Puis. Ok. Le monde autour de nous se recrée au fur et à mesure qu'on avance. Et il y a un T-Rex corrompu. Cette situation, mon dieu. Eh ben, on s'attaque au T-Rex corrompu. Il est seul, il a 35 points de vie, il est très, très vénère. Bon. Clairement, on va essayer de lui mettre autant de coups de tête que l'on peut. Ça, c'était pour lui apprendre les bonnes manières, si tu veux. Il a deux dés qui sont bloqués. Le sabot. On peut qu'espérer. Pistolet, c'est toujours ça de pris. Voilà, 13 points de vie. On n'a pas de cerveau, par contre, on a une course. Tant pis. La griffe. Allez, allez, Picsou. Oh, putain. On a vaincu un Tyrannosaurus Rex. Eh bé. On va se mettre juste là. On est plutôt balèze, hein, je tiens à le dire. Hein. On est plutôt pas mal. Hein. Est-ce qu'il y a moyen d'avancer jusque là? Aïe, non, on ne peut pas. Eh ben, Oh oui! La page de téléportation aléatoire qui nous a porté jusqu'ici. Quelle chance! Du coup, on fait claquer le bongo, ce qui devrait attirer l'attention de ces araignées nulles. Ok, elles ont pas l'air de s'exciter, ce qui moi me dérange pas en fait, si tu veux. Un temple démoniaque. Ouais, mais j'ai pas besoin de plus de richesses en fait. J'ai besoin de trouver la fin de la map, si tu veux. Voilà, on va s'approcher là, on va espérer explorer ça. C'est une caverne. Dans une montagne. Et là, du coup. Une autre caverne dans une montagne. Tout ceci m'a l'air risqué. Bongo. Voyons voir. Allez, on explore dans les ténèbres. Il y a un œil, donc on est safe. L'œil est là. Allez, allez, allez. Et il y a des créatures terribles dans la caverne. 4 araignées, putain. Ça fait beaucoup, hein. Ça fait beaucoup. Planet Shot, 10 points de dégâts. Bam, une araignée. Ça, c'est gratuit. C'était moi qui l'offre, si tu veux. C'était offert. 4 de dégâts, c'est offert. Est-ce qu'on a 6 de dégâts? On peut faire mieux que ça. Hein. 4 de dégâts, ce serait offert, là. Bam, ça, c'est gagné. Combien elles ont d'attaque? 1. Eh ben, très bien. Coup de boule. Voilà. Quadri coup de boule. On va garder les griffes parce que quand même, on va même garder ça.
Et il n'y a rien de mieux. Bon, il n'y a rien de mieux, alors on fait avec. Il n'y a pas de musique, hein, ce qui est dommage. 6 de dégâts, griffe dans sa face, griffe dans sa face. Et c'est tout. Ils sont stun, on les achève. Ça c'est bon. Prêt. C'est quoi? Même pas je regarde les attaques là, je... Voilà, on gang sur lui, on lui donne des coups de pied si tu veux. Ah voilà, très bien. Vrai, donc ça en vire. Ça vaut 5 de fame, hein. C'est pas beaucoup de fame, mais bon. C'est toujours rien, c'est toujours mieux que rien, hein. On va pas se plaindre. Et ça, c'est un vieux campement. Voyons voir. Cherchons le campement. 6 chocolats, excellent ça. Très très bonne nouvelle. On peut donc aller jusque là et se faire une idée de ce qui se trouve ici. Voilà, et on se retrouve avec presque rien. Mais ça, les enfants, c'est la fin du jeu. Après 1h30 de vidéo, coup de tambour, on mange... On devrait pas les garder comme projectiles. Je peux déjà entendre mes intestins se plaindre. Oh, mais je sais pas ce que vous avez. Ta gueule, Tintin Loulou. Il y a Tintin Riri, Tintin Fifi et Tintin Loulou. Tinri, Tinfi, Tinlou. Les évolutions Pokémon. C'est de pire en pire, les enfants. Bah, pas mal, ça. On va affronter cette abomination pour en terminer. Mais je pense qu'on s'est plutôt fait une bonne run, hein, somme toute. Hein. Voilà, très bien. L'horreur qui se tient entre nous et la victoire. Fusil. Vision. Bah, midlife, il y en a deux. Aïe. Grosse griffe. Bah. Il reste 5. Petite griffure, pistolet, Edin. Premier tour, ça c'est réglé. Il y a combien? 2 dés. Coup de boule. Baf. Pas mal ça. Double coup de boule et il joue pas. Du coup on le griffe avec les mains de sa mère. Voilà. Mange tes morts! Mange tes morts! Tintin's bizarre aventure, quoi. Tintin's bizarre aventure. Et ben voilà! On explore et voici la pyramide. Fière, belle, formidable, et elle demande 2 cailloux. Les portes s'ouvrent et moi, Balthazar Picsou, savais désormais que mon nom et mon héritage seraient éternels. Oh là là, et on a 3 journalistes. Mon histoire incroyable avec Balthazar Picsou. Ah, c'est démoniaque. Ah, c'est démoniaque. Les 3 Tintins du pilier, quoi. Je crois que je vais faire péter les high scores, là. C'est absurde. Triomphe! Oh là 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 là. Regarde-les. Regarde-moi, c'est minable. Oh là 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 là. Bon, bah là, de toute façon, ouais. Là, c'est juste pour marquer le coup, si tu veux. Allez, je suis arrivé au truc du musée. J'ai vidé mes couilles de canard, si tu veux. Là, c'est beau. Non. Cette tête de merde. Incroyable. Incroyable. On sent que c'est modé. Balthazar Picsou à la victoire. J'ai débloqué... J'ai débloqué des tas de choses. History will forget you. Bah, comment ça? Nique-toi. Ah, c'est bon. Second winner. Full game. Ah, d'accord. Il y a la première place. Ok. J'ai la première place. Fais voir. Oh là là. And here is your statue. Full game. Et voilà. Rank first de Picsou. Balthazar Picsou retourné dans sa très fière et chère Écosse en triomphe. Après qu'il ait assuré son héritage avec cette statue splendide, il a profité d'une vie longue et heureuse en sachant que l'histoire se souviendrait de lui en tant qu'explorateur suprême. Après être revenu, Tintin, surnommé Riri, visita beaucoup de pays de l'Ouest en parlant de ses voyages incroyables.
L'épuisement de ses aventures lui laissa certaines cicatrices sur son corps, et sa famille a attesté qu'il était maintenant l'ombre de la personne qu'il était autrefois. Il a vécu une vie silencieuse et longue, et mourra en présence de sa famille aimante. Tintin, surnommé Fifi, retourna chez lui et vécut une vie recluse. Après plusieurs années, il publia ses mémoires qui devinrent un succès immense et lui permettèrent de vivre une vie confortablement financièrement. Il resta en contact avec la plupart des autres survivants et ils s'écrivèrent des lettres tous les mois jusqu'à sa mort plusieurs années plus tard. Durant les dernières années de sa vie, il est devenu complètement obsédé avec l'idée d'une dernière et septième expédition. Cependant, on n'entendit plus jamais parler de lui. Tintin 3, appelé Loulou, revint chez lui et viva avec l'argent de sa riche épouse qu'il épousa prestement après. Il resta en contact avec les autres survivants en leur écrivant des lettres tous les mois jusqu'à la fin de sa vie. Il vécut une vie longue et heureuse en présence de sa famille et mourut en présence de sa famille aimante. Donc il y a un Tintin qui est devenu reporter, il y a un Tintin qui est devenu explorateur, et il y a un Tintin qui est rentré et qui a retourné la Castafiore, si tu veux. Trois Tintins, trois destins. Merci, Balthazar Picsou. C'était The Curious Expedition, chers amis. J'espère que ça vous a plu. Trois petits épisodes, enfin des épisodes assez longs, hein, sur Bob Lennon, hein, le plaisir de la chose. J'espère que ça vous plaît. Je sais que vous voulez du Kingdom, mais n'hésitez pas à me demander la suite de ce genre de truc. On verra bien si les vidéos sont vues, de toute façon. Si ça a le même taux de vue que Far Cry 5, c'est mort. Si c'est aussi vu que Kingdoms 2, ça devrait bien se passer. En tout cas, c'est un régal. L'expédition bicurieuse de l'amour de Tintin. C'était Tintin. Vous savez quoi? À la fin, j'ai envie de dire, c'était Tintin, 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 Tintin. Il y avait aussi un troisième Tintin. Allez, zou! Oh putain.